26 minutes et 25 secondes de course. Le 14 novembre 2009, le 3e régiment du génie de Charleville-Mézières organisait le championnat national terre de cross-country sur la base de loisirs de Holmé. Nous aurons 750 athlètes, 108 unités. On a des vraies conditions de cross avec un temps qui va permettre de faire la différence. Bien sûr, c'est la Légion. L'armée de terre a un gros avantage, c'est qu'elle regroupe la totalité des meilleurs sportifs du cross-country français. Comme terrain d'une cross, il a plu, ça nous a soufflé la terre, parcours sélectif, c'est ce qu'il faut pour une cross. Hein. C'est ce qu'il faut pour un cross. Il bon, ne faut pas être avare, il faut l'encourager, c'est un grand champion qu'on a ici avec Hakim. Nous, on se positionne comme présélectif au championnat du monde militaire pour l'armée de terre. Et donc les sportifs qui sont dans les 3 ou 4 premiers de chacune des courses, cross court, cross long et cross féminin, gagneront leur billet pour d'éventuels stages préparatoires au championnat du monde. Rendez-vous est donc pris en 2010 pour les championnats du monde militaire qui auront lieu en Belgique.